Salut tout le monde, alors petit tuto pour vous expliquer comment réaliser le donjon 7.0. Alors c'est un donjon qui nécessite la scie, le canon vert et la mouche. Alors dès qu'on arrive sur la map, double-clic, hop, on tampon un peu la mouche, on retampon un peu la mouche, hop, on monte, on s'arrête surtout pas, et ça passe tout seul. Ça peut paraître impressionnant, mais en vrai, c'est pas trop compliqué. Alors je vais vous remontrer un peu au ralenti pour que ce soit plus simple pour vous pour voir à peu près tous les détails. Donc double clic dès le début. Dès qu'on touche le sol, on ressaute pour bien passer au-dessus. Là, on va essayer d'atteindre la rangée des cadenas jaunes tout en bas à gauche. Dès que la mouche l'a atteint, hop, on saute. On ressaute. Là, on va attendre qu'elle passe au niveau du creux des petites montagnes, des petits cailloux. Après, on monte sans s'arrêter. Normalement, ça passe tout seul. On n'a même pas besoin de se poser de questions. Là, on va essayer de passer au-dessus du canon et de la mouche. On ressaute pour passer au-dessus de la scie et ça nous rapproche. Donc après, sauf si vous faites une erreur, la mouche dans le moins ne vous a pas. Ça sera plutôt accessible. Donc, je me suis bien marré avec un donjon comme ça. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre des grosses pierres. Zéro souci. Après, si vous avez la défense de jam à fond aussi, c'est... Voilà, c'est nickel. Hein. Vous montez au piège niveau 10 et y a rien qui passe. Hein. Enfin bon, après, il faudra l'utiliser. Moi, je suis niveau 20. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à s'abonner à ma page YouTube ou à ma page Facebook Best Rival Ever. Allez, on se souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye!